Burk, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Je trouve que ce gel sent comme la vieille chaussette usée. À ce point, ne t'inquiète pas, je vais te présenter nos trois experts du gel hydroalcoolique maison. D'accord, merci. Salut Chloé! Salut! Je vous présente Léa, Shelby et Nathan. Salut! En fait, c'est qui la personne avec toi? Je m'appelle Mathieu. Et pourquoi il est avec toi? Il est avec moi car il trouve que le gel hydroalcoolique de l'école sent comme la vieille chaussette usée. Ne t'inquiète pas, nous allons te montrer comment on fait du gel hydroalcoolique maison. D'accord, merci. De rien. Il faut 15 ml d'alcool. À votre petit coup. Mais non, pas de l'alcool à boire, mais de l'alcool à 70 degrés. Ok. Du coup, je disais 15 ml d'alcool à 70 degrés. Puis 15 ml de gel d'aloe vera. Puis 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Et enfin 5 ml d'huile d'amande. On mélange. Merci. Voilà Mathieu, maintenant tu sais faire ton propre gel hydroalcoolique. Ça sent bon. On compte sur vous. On est en route de 5 copains pour changer la destin. On est en route de 5 copains pour changer le destin. La planète est polluée.